Bienvenue, c'est Bonjour, bon. Tichou, comment vas-tu? Nous, on t'aime bien, on connaît vraiment, tu es fière, Tu sais, fière ah, africaine. la fierté africaine. Merci. Non, c'est pas la femme de notre femme, nous t'aimons tous, bisous. Merci, on t'écoute bien. Ah, mashallah, si vous m'entendez, alors c'est l'essentiel. D'abord, bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. D'accord. Jean, je suis un peu désolée pour le retard, c'est parce qu'on a eu coupure d'électricité. C'est à cause de ça j'ai pas pu être à l'heure. D'accord? Et je suis désolée pour ça. Merci pour les excuses pardonnées. Même si je ne sais pas si c'est pardonné ou pas. C'est pas abonné, c'est sûr. Ok, la famille. Vous pouvez poser. Posez-moi les questions que vous voulez. Tichou, nous te portons dans nos cœurs et je vous aime aussi de tout mon cœur. Je vous aime de tout, de tout, de tout, de tout mon cœur. Au fait, la famille, les 2 jours passés, j'ai remarqué beaucoup de commentaires qui disaient que oui, Tichou, c'est sûr que toi, tu as fait la chanson pour avoir le buzz, des trucs comme ça. J'ai vu beaucoup de commentaires comme ça. La famille, je vais vous parler. Est-ce que je suis la seule qui a chanté la chanson sur Tumba? Je pense pas, il y avait beaucoup de candidats. Est-ce que je suis la seule qui a chanté la chanson de Tumba? Est-ce que j'étais la seule à chanter? Je n'étais pas la seule à chanter. Si Dieu a fait que c'est pour moi qui est parti, alors c'est ma chance, ou bien? Sinon, j'étais pas la seule à chanter la chanson de Tumba. Plein de personnes, plus de 100 personnes ont chanté la chanson à Tumba. Pourquoi c'est moi qui est partie? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que j'ai pris ma chanson, partie en Guinée et rentrée dans chaque maison quand ouvrait la porte C'est juste la chance. et aller dire, écoutez la chanson là s'il vous plaît. Est-ce que je suis rentrée dans chaque maison pour frapper leur porte et dire, écoutez la chanson là s'il vous plaît, aimez-moi. Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ça? J'ai pas fait ça. Ou bien, j'ai pas fait ça. Et si Dieu a fait ça, c'est parce que c'est ma chance. Donc, chacun a sa chance dans la vie. Ou bien, chacun a sa chance dans la vie. Donc, les gens qui disent que oui, tu as profité de l'opportunité pour... J'avais même pas ça dans la tête. Wallahi billahi. Hein, moi, je ne joue pas pour rien. Wallahi. Moi, j'avais pas ça dans la tête. J'avais même pas ça dans la tête. Moi, je l'ai fait parce que le monsieur me plaisait beaucoup et que genre mon cœur me disait qu'il était censé quoi. C'est pourquoi moi je l'ai fait. Mais les gens sont en train de prendre ça négativement. Il y a des gens qui prennent ça négativement. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, moi mon cœur est blanc. Wallah, mon cœur là, hein, c'est trop blanc. Donc je vais pas me casser la tête avec ceux qui laissent les commentaires négatifs. Parce que je sais que dans 100%, ceux qui laissent les commentaires négatifs sont que 10%. Les 90%. Wallah, ils sont juste positifs. Ils sont juste positifs. Et aujourd'hui, si moi j'ai aimé Tumba, si j'ai apprécié Tumba, si j'ai aimé Tumba, c'est pas de ma faute. C'est parce que je suis pas la seule qui l'a aimé. Presque tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime. Pourquoi on l'aime? Parce qu'il a été juste. Parce qu'il a été direct. Parce qu'il a été sincère. Jean, Dieu l'a lavé. La famille, Dieu l'a lavé. Dieu est en train de le laver. Tu es en train de le laver. Sinon, moi, j'étais parmi les gens qui détestaient Tumba. Oui, j'étais parmi. J'étais parmi les gens qui ne l'aimaient pas. Je Pas disais détester, mais n'aimer pas. que, ah, donc Tumba a fait ça pour son pays. Donc Tumba a fait ça pour son pays. Ah, Tumba n'est pas bien. Moi, j'étais parmi ces gens. Moi, je disais, même si j'attrape Tumba là, c'est moi-même qui va l'égorger. Moi, je disais ça moi-même. Mais aujourd'hui, je suis la personne qui l'aime tellement. Dieu lui a donné une longue vie. Pourquoi Dieu, Jean, Dieu sait ce qu'il a fait. Jean, Dieu est fort. Dieu lui a donné une longue vie pour être à ce procès aujourd'hui et pour pouvoir parler. Et ça, c'est même pas fini. C'est juste le début. Il a juste fait le début. Et vous avez vu comment les gens l'ont aimé. Tout le monde entier l'aime aujourd'hui. Il n'a même pas fini de parler. Tout le monde dit Tumba. Tout le monde dit Tumba. Il n'y a pas Tumba. Il n'y a pas Tumba. Il n'y a pas les gens qui disent. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je n'aime pas Tumba. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je suis sénégalaise et je l'aime de ouf. Ah. Donc, du coup, c'est un peu comme ça. Tu, je pardon, ne rentre pas dans cette état, ce que je suis notamment. Et je suis.
Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Non, laissez-moi parler, s'il non, vous plaît. Non, ne parle pas, parce que genre, tu sais, est-ce que tu sais que dans 100, pour, dans 100 personnes qui t'aiment, là, genre dans 100 personnes, 99 t'aiment, c'est l'essentiel. Les uns, là, c'est leur problème. Je sais où. On ne vit pas pour eux. Mais je vais parler. Toute la Guinée avec toi. C'est pas la Guinée seulement, c'est partout. Donc, du coup, laisse-moi parler, laisse-moi parler. C'est pas pour que je vais les blâmer. Laisse-moi parler. Oui, c'est plus. Vrai. Ne réponds pas aux trucs, aux critiques, là. Ne les réponds non, pas. Je ne réponds pas. J'essaie de les expliquer, quoi. La star numéro 1 de la Guinée. Ah, si Dieu m'a donné ça, oh, je suis contente. Mais je serais contente. Encore. Un peuple. Oui. C'est pas donné à n'importe qui. Oui. C'est parce que si mon doussou n'était pas bien, voilà, tu penses que les gens vont m'aimer? Tu penses que les gens vont m'apprécier? Non. C'est parce que mon cœur est blanc. C'est oui. Parce que j'ai chanté avec un cœur blanc déjà. Déjà, si j'ai chanté ça avec un cœur blanc déjà. Déjà, tu étais là ou bien? J'étais là. Ah. J'étais moi. Ah. Mm-hmm. Je l'ai fait avec un cœur blanc, oui ou non, s'il te plaît. Bien, on est parti à l'studio sans même le savoir. Merci. On a chanté sans même le savoir. Merci. Donc là, les gens nous pardonnent. Oh. Merci. Franchement, je suis allée, j'ai chanté pour lui sans le savoir. Je l'aime, je l'apprécie. Je serai toujours là pour lui, quel qu'en soit le cas. Inch'Allah. Inch'Allah. Vraiment, il est apprécié par tout le monde. On est de cœur avec toi. Ah, c'est ça. C'est parce qu'il est apprécié par tout le monde. Oh mon Dieu, Dieu l'a donné une longue vie pour être là. Dieu l'a donné une longue vie pour effacer tout ce que les gens pensaient de lui. Imaginez, s'il n'était pas là en ce moment, sa famille, les gens vont regarder mal sa famille. Les gens vont critiquer sa famille, hein, ses enfants. Les gens vont les critiquer. Hein? Sa maman même ne pourra pas sortir. C'est tout. Genre, il y aura un fardeau sur leur tête. Et eux-mêmes, ils vont penser que voici son âme même ne va pas se reposer en paix. Parce que tout le monde dira, Tumba a fait ci, Tumba a fait ça, Tumba a fait ci, Tumba a fait ça. Mais aujourd'hui, Dieu l'a donné une longue vie pour s'exprimer devant le monde entier. On a bien dit le monde. C'est le monde, c'est le monde entier qu'il a suivi. Pour Tumba, c'est le monde entier. C'est pas... Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Quand on dit que Dieu ne dort pas, il ne dort pas. Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu est fort, Dieu est unique. Mm-hmm. C'est pourquoi Dieu dit la patience. La patience. Dieu s'appelle la patience. Patienter, quel qu'en soit ce on que tu veux. On dit tout vient à temps à celui qui sait attendre. C'est voilà. Ça. Voilà. Il a patienté. C'est ça. Le monsieur a patienté. Les gens ont insulté le monsieur. Les gens ont critiqué le monsieur. Les gens lui ont maudit. Les gens lui ont aussi. Un jour de père, ils l'ont fait. Un jour de mère, ils l'ont fait. Mais aujourd'hui que Dieu a dit amen pour lui, même un petit enfant qui vient de naître aujourd'hui dira que Tumba a raison. Dira que Tumba a raison. Il est sincère. Il est sincère. Wallahi billahi, cet homme est sincère. Il est sincère, ça. Il est plus que sincère, même. Il est sincère, il est droit. Genre, il est trop véridique, quoi. Il est trop véridique. Ouais. Et tout ce qu'il dit, c'est vrai. Écoutez, il tellement que pas. C'est trop bien même là, c'est mélange avec la comédie. Tous non genre dès que, à chaque fois qu'il parle, on est obligé de rire. C'est genre tu vois non, genre il le fait tranquille quoi, trop sans bien. Genre je te jure quelqu'un qui met hein, il stresse. Genre il sait même pas ce qu'il dit. Genre tout est naturel chez lui. Tout est naturel chez lui. Genre il parle il parlait comme s'il parlait à la maison. Il parlait comme s'il parlait avec sa femme, ses enfants, quoi. Il parlait comme ça, quoi. Sans jeune, tranquille. Halas, il se dit halas. Halas. La famille. Hein. C'est moi qui ai donné ma position. Dieu a fait les pieds, pourquoi? Soyons calmes, quoi. La vie, là, hein, ce n'est rien. Soyons calmes. La vie, là, hein, c'est juste deux jours. Wallahi billahi, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas du réel. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce ne sont pas réels. La vie, là, hein? La vie, c'est deux jours. Où sont nos parents aujourd'hui, nos mamans? On a été avec nos mères, on mangeait avec eux, nos amis. Où sont où aujourd'hui? Ils sont là? Hein? Ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont partis. La vie, là, ce n'est rien. On n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à se pardonner. Aimons-nous vivants.
D'accord. Aimons-nous vivants. C'est l'essentiel. Hein, on a c'est pas après la mort on va réagir. Pardonnons-nous entre nous. La vie là, ce n'est absolument rien du tout. Aujourd'hui, on est là où demain, on n'est plus là. Hein? Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. Demain, on ne sera plus là, c'est sûr. Hein? Ne réponds pas les gens. Moi, je suis guinéen. Qu'on a créé à l'heure où je te parle. On veut te voir en Guinée pour le concert et rencontrer notre Baobatumba. Inch'Allah. Ça sera avec fierté. Avec honneur. Vous savez, hein, quand je vais rentrer en Guinée, ce jour-là, vous savez, je vais faire comment? Je vais faire le sujoud. Wallahi, je rentre, la première, je mets pied. La première des choses que je ferai, c'est le sujoud. Je fais le sujoud. Ah, je dis alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je le remercie avant de me lever. Ah, les Guinéens, vous avez conquéré mon cœur aussi, hein? Vous avez conquéré mon cœur, hein? Vous avez conquéré mon cœur, wallahi billahi. Il n'a pas dit que moi j'ai préféré. Là, on a dit, Monsieur Tumba, le président prend quel genre de carburant? Quoi, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est moi le chauffeur? C'est pas lui, il a raison. C'est pas moi. Il dit que c'est pas lui le chauffeur. C'est pas lui le chauffeur. Il a raison. Comme, allez, réveille le toto. Ah, Tumba, Tumba, il est unique. Je te jure, il est trop unique à son genre. Je te jure. Genre. Moi, j'ai trop aimé. Grâce à toi, beaucoup qui nous supportent, Tumba. Bravo, félicitations, merci. Voilà, Tumba. Allez, nous, là, c'est Tumba, hein. Hey, c'est Tumba. Genre, hein? On est tellement Tumba. Genre, quand on mange, même, on dit Bismillahirrahmanirrahim. Tumba. Avant de boire, Bismillahirrahmanirrahim. Tumba. Que je t'aime. Tellement qu'on l'aime, quoi. Non, les galets. Genre, en fait... C'est un amour naturel, tu vois. Je te jure. Les autres, on est obligé de donner de l'argent, des trucs pour aimer une personne. Pour nous, c'est naturel. Ouais. C'est naturel. C'est naturel. Il nous a rien donné. Rien du tout. Il nous a pas appelé pour nous dire aimez-moi, soutenez-moi. Non. C'est venu naturellement. Et on l'aime naturellement. Quand on vous dit qu'on est parti dans les studios pour rien, là, vous comprenez pas. Ah, on est on allait aussi. Moi, c'est après la chanson, j'ai dit, j'ai su que j'ai chanté même pour lui. Yeah. Quand les gens commencent à nous appeler, vous avez chanté pour Tumba, hein, bon? Nous, on ne savait même pas. On se disait, mais attends, on a chanté. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Wallah, il y a Dieu dedans. Dieu est dedans. Masha'Allah. Non. Masha'Allah. Yeah. Déjà. Si on n'est pas les seuls à chanter, oui, on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup qui ont chanté. C'est pour nous qui a fait. Bra. J'avais envie d'aller dire ça. Pra, c'est pour nous qu'il en veut. Et si on avait pra là, c'est parce que Dieu aussi a été oui, dedans. Parce que hein. Dieu a mis dedans. Oui, Dieu a dit Amin. Amin, hein. Je te jure. Ah, donc. Les Guinéens, vous avez conquis mon cœur. En plus, nous, je voulais aller en Guinée. Mais cette fois, c'est genre, c'est avec fierté. Fierté. Quand je vais rentrer en Guinée, la famille. Le goût de ça. La famille. Quand je vais rentrer en Guinée, la première chose... Façon de marcher, tu vas marcher comment? Tu vas marcher comment? Je marche comme ça. Arrête, voilà. Non, je te jure pas, mon cœur. Ma manette de marcher, ça va changer. Ça fait comme ça, quoi. Avec fierté. Tu vois, on a fierté, quoi. La manette de marcher, là, je fais plus ça. Que tu serais accueilli genre, en Guinée-Conakry comme un héros. Une présidente, Inch'Allah. Ça fait un plaisir, ça. Tu vois, non. Ça, c'est trop bien. Tu vois, non, déjà, il faut, hein. Avec classe. Quoi? Avec dignité, avec classe. Avec classe, quoi, parce que, hein. Parce que là, on fait... Hein. Enfin, on rentre en Guinée, hein. C'est pas n'importe qui doit aller là-bas, hein. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui, d'aller hein. En Guinée, hein. Ah oui, hein. Et puis, être accueilli avec des tas de personnes. Oh, chaleureux, comme ça. Il y a 2000 personnes, ça c'est trop bien. Merci. Inch'Allah. Félicitations à tous. Merci, félicitations aussi. Donc, du coup, merci. On t'aime. Je vous aime aussi. Je vous aime. Et oui, Guinée. Il n'y a même pas de frontières dans Guinée. Il n'y a pas de frontières. Wallahi. Je vous aime. C'est que hein, je vous aime. Je vous aime. Et s'il y a d'autres qui ont dit que ouais, je suis en train de profiter du buzz, alhamdoulilah, c'est Dieu qui m'a donné ça. Je suis fière. Et moi, je suis une influenceuse.
je suis une influenceuse. À part même la chanson que je... Avant même de sortir la chanson, il y a quelques personnes qui me connaissaient. Et comme je suis influenceuse, je suis comédienne aussi. Je suis comédienne, actrice. Donc, je me dis, tôt ou tard, le monde entier va me connaître. Parce que je suis dedans. Je suis dedans. Et si c'est la chanson de Tumba qui a agrandi ma valeur, alors, alhamdoulilah. Ceux qui disent que tu as profité, c'est parce que c'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu. C'est pas moi. Moi, je ne peux pas me donner le succès. Je ne peux jamais me donner le succès. Si moi, je pouvais me donner le succès, j'allais me donner le succès depuis que j'ai commencé. Dès ce jour-là même, j'allais me donner le succès. Mais si Dieu a dit ça à travers le son de Tumba, que ma valeur va grandir, c'est parce que c'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui l'a décidé. Et c'est Dieu qui l'a décidé. Et c'est comme ça. On dit l'homme propose, mais Dieu dispose. Donc, du coup, la famille, laissez à faire de j'ai pas profité, j'ai fait ça sans le savoir. Et si aujourd'hui, c'est grâce à lui, alhamdoulilah, je suis fière. Et je le dirai même demain. Je suis fière. Wallah, billah, parce que c'est pas n'importe qui gagne ça. Sinon, je suis pas la seule qui a chanté pour Tumba. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas la seule. Beaucoup de personnes ont chanté pour lui. Beaucoup, plein de personnes ont chanté pour lui. Et si c'est moi, on voit d'abord, alhamdoulilah. Donc, restons positifs, s'il vous plaît. Restons positifs. Arrêtez de mettre ces genres de choses dans la tête. Arrêtez. C'est pas bien. C'est pas bien pour l'être humain. Hein? On va pas vite avancer. On n'a qu'à s'aimer. La vie, là, ce n'est rien. Tout ce qu'on voit, là, c'est éphémère. Ça va finir. Hein? La même manière dont on est venu nu dans le monde, là, c'est comme ça qu'on va retourner nu devant Dieu. Devant Dieu, on va aller. Nos parents sont partis où? Nos amis sont partis où? Ceux dont on mange, sont partis où? Ils sont là, ils ne sont plus là. Donc, du coup, Angan Dusuk Faga. On a apaissons nos cœurs, quoi. Apaissons nos cœurs. Quand on voit la vérité, essayons d'accepter la vérité. Et quand on voit le mensonge, essayons d'accepter le mensonge. La vérité, c'est la vérité. Le mensonge, c'est le mensonge. Quel qu'en soit, tôt ou tard, on va partir. Ceux qui sont partis, qu'Allah leur pardonne. On va continuer de prier pour eux. Parce que c'est ce qu'on peut faire pour eux. Et si nous aussi on part, on prie Dieu qu'il nous donne des personnes qui vont prier aussi pour nous. Et que Dieu nous pardonne. Et que Dieu nous donne une bonne fin, c'est l'essentiel. Que Dieu nous donne une bonne fin. Tout ce que tu fais, quelles que soient les bêtises que tu as commencé à faire, les choses que tu as faites. Quand tu as une bonne fin, mashallah. Quand tu as une bonne fin, mashallah. Dieu pardonne. Il pardonne. De la même manière que Dieu pardonne, c'est de cette même manière que Dieu est sévère. Donc, calmons nos cœurs. Nous sommes juste que des êtres humains. On nous a juste créés avec la boue. Simple. Mais tu sais, c'est normal aussi. On ne peut pas être aimé aussi par tout le monde. Je sais qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Leur cœur là, c'est chaud, oui. On dirait c'est noir. Ils n'ont qu'un peu baissé déjà. Qu'ils baissent. Il y a d'autres aussi là, ils t'aiment jusqu'à leur corps sont tellement blancs de la neige. Je te jure. Donc c'est l'essentiel, tu vois. Je sais, c'est l'essentiel. Nous on t'aime et beaucoup de gens t'aiment ici, c'est l'essentiel. Et je les aime aussi, hein. Moi, aujourd'hui, je les aime. Et l'amour qu'on porte pour toi, genre, c'est naturel, tu vois. C'est naturel. Donc ceux qui t'aiment pas là, en fait, genre. Je vais pas dire que genre on en a rien à foutre, mais c'est eux. Ça nous regarde pas, tu vois. C'est ça. En tout cas, on a quand même pu lire les commentaires. Et oui. Super. Magnifique. Vous êtes magnifique aussi. Merci. Merci. Dis leur nom. Du courage, ma belle. Bangour a dit du courage, ma belle. Merci. Vous pouvez poser moi des questions. Posez-moi des questions, je suis là pour répondre. Posez. Nous sommes très reconnaissants de toi. Nous, les Guinéens, nous t'aimons beaucoup pour notre Tumba national. Et je vous aime aussi, hein, Mashallah. Je vous aime de tout mon cœur. Junior Suleiman Fofana, félicitations, la dame de Tumba de Guinée. Ma chérie, ne calcule pas les moutons. Non, je ne calcule pas les mauvais commentaires. J'essaie juste de parler. Mais il y a quoi? La vérité d'abord, parce que la Guinée, j'ai pas de vérité d'abord. Salut notre petit chou chéri, j'espère que tu vas bien. T'inquiète pas, nous les Guinéens, on est
avec toi, on t'aime énormément. Et je vous aime aussi énormément. Hein. Je vous aime de tout mon cœur, machallah. Aujourd'hui, quand même, la Guinée, hein, je vous aime. Quand je me lève, c'est la Guinée. Machallah. Machallah. Genre, j'ai plus des mots. J'ai plus les mots. Voilà, et puis là, j'ai plus les mots. Je suis fière de toi. Je suis fière de vous aussi. Je suis très fière de vous. Très fière de vous. Mais vraiment, tu es très belle fille. Oh, merci. C'est gentil. C'est gentil. Rien qu'il avait été ma chérie. Toutes les lignes hein, sont fières. C'est ça. On t'aime, machallah. Je vous aime aussi. Merci infiniment à toi, ma soeur. Merci à vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Et que Dieu. Que Dieu nous aide. Félicitations, assistante madame Duna. Est-ce que tu seras prête pour le mariage? On t'aime beaucoup aussi. Je vous aime aussi. Nous t'aimons beaucoup, ma chérie. Bisous. Je vous aime, 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 je vous aime de tout mon cœur. J'aime beaucoup la Guinée et aussi j'aime beaucoup le Mali, machallah. Les Maliens sont cool. Ils sont accueillants aussi. Voilà, et les Maliens sont accueillants. Les Maliens sont forts. Genre, hein, moi, quand même, c'est au Mali que j'ai vu. Hein, la famille peut en train de manger. Sans t'inviter, hein, tu pars, tu laves ta main. Tu viens, tu manges. Sans qu'ils ne t'invitent même, tu mets ta main, tu manges. Et ils ne diront rien. C'est au Mali, moi, j'ai vu ça. Genre, les Maliens, tellement qu'ils sont accueillants. Les Maliens sont forts. Ah, les Maliens. Les Maliens aussi, hein. Ils sont à part. Ils sont à part. Chacun avec sa manière, quoi. Vraiment, les Maliens sont vraiment des personnes que j'ai vraiment beaucoup aimées et je ne regrette pas. J'ai beaucoup aimé le Mali, beaucoup. Et je les remercie beaucoup. Genre, les Maliens m'ont tellement accueilli. Les Maliens m'ont aimé. Les Maliens m'ont aimé. Ils m'ont accueilli. Genre, les Maliens. Mali, merci. Ouais. Mali, si aujourd'hui vous êtes là, je vous remercie. Wallah, billah, je vous remercie. Du fond du cœur, moi, Tichou et Niger, je remercie les Maliens. Je vous remercie de tout mon cœur. Vous êtes les meilleurs quand même. Salut ma belle, vivement que je vais beaucoup assister beaucoup depuis Burkina Faso. Je suis fière de toi. Merci beaucoup. Vraiment, tu es une fille exemplaire que toutes les filles guinéennes doivent prendre exemple. Oh, machallah, merci beaucoup. Hein. Merci. Merci beaucoup. Quand même, moi, c'est Tichou Niger. Vous pouvez vous abonner sur ma page. J'ai mon TikTok, c'est Tichou Niger aussi. Mon TikTok, c'est Tichou Niger. Je fais de la comédie. Je suis comédienne, actrice. Je fais beaucoup de choses. Donc, c'est un peu comme ça. Tu es très belle, franchement. Merci beaucoup. Magnifique, ma chérie. Merci. La page est là. Oui, vous voyez le profil? Tichou Niger, c'est le même profil, vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. C'est Tichou Niger. Ne plains pas, c'est ton destin. Voilà, je les aime fort aussi. Donc, du coup, si Dieu me donne ça en Guinée, si Dieu a dit que c'est en Guinée, le succès sera plus élevé, alors, alhamdoulilah, je le remercie. Je suis très contente. Et je le remercie en étant fière. Et je vais rentrer en Guinée très bientôt en étant encore fière, plus fière. Inch'Allah. C'est mon travail. N'est-ce pas? Donc, du coup, c'est ça. On t'aime beaucoup, vraiment, ma chérie. Merci beaucoup, je suis fière de toi, ma soeur. Tout le monde ne veut pas de toi, mais merci pour la musique. Pardon. Tu es très belle, ma chérie, merci. 12 millions à Guinée, on t'aime. Je vous aime aussi, machallah, je vous aime, Olay. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. On peut prendre les demandes? Je vais accepter les demandes, d'accord? Accepter les demandes, je vais accepter les demandes. On va parler 5 minutes, 3 minutes. D'accord?
Je serai la bienvenue en Guinée. Je serai la bienvenue en Guinée. Ne prends pas. C'est pas grave. Pas grave s'il ne prend pas. On va essayer de prendre une autre. Bonsoir, notre fierté. Que Dieu. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci et merci et merci. Je vous remercie du fond du cœur. Et vraiment, merci la famille. Et vraiment, je suis très contente ce soir. Je suis très contente. J'étais même très contente depuis. Pas maintenant. Je suis vraiment. Nous t'attendons à Guinée avant, mais oui, que jamais. Inch'Allah, je ne l'oublierai jamais. Salam, courage, je suis spéciale. Mashallah. Je suis très contente, hein? Je suis très contente. Toute belle, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Super. Tu as la force et la foi en toi. Oui, j'ai la foi, moi. Je sais que Dieu existe. Et je sais que tout ce que Dieu fait est bon. L'autre fois, la famille, c'est ça. L'autre fois, j'étais sur Radio F. F. F quoi là? FMC? C'est F quoi? Ils aiment pas trop J'étais à ça. la radio la plus suivie de la Guinée, là. C'est FM, non? Donc, j'étais là-bas. Vous n'avez pas compris. Là où je disais, en fait, j'ai vu des commentaires aussi là-bas. Genre, quand tu m'as demandé, c'est à cause de la foi de Tomba et tout. Oui, à cause de sa foi. Et vous savez, quand je dis foi, je parle des bons musulmans. Un musulman pratiquant, quoi. Un musulman pratiquant ne peut pas dire Wallahi dans le mensonge. Non. Un musulman qui pratique bien la religion, un musulman ne peut pas dire Wallahi billah, ne peut pas jurer sur le Coran en mentant. Non. Ceux qui jurent sur le Coran en mentant, les musulmans qui jurent sur le Coran en mentant, eux, vraiment, ce sont des musulmans non pratiquants. Donc, non pratiquants, on peut pas les considérer. Nous, on ne les considère pas. Nous, quand même, tu sais que tu es musulman. C'est comme il y a dans musulman. Il y a des musulmans qui iront en enfer. Il y a des musulmans qui iront au paradis. Donc, du coup, tout dépend de l'acte. Fais bien ton acte. D'accord? Quel qu'en soit de la manière dont tu es musulman, fais bien ton acte. Fais bien ton acte. Ok, moi je parle de la sincérité, je parle de la vérité. Genre, quand tu es musulman, tu dis Wallah, exemple, ce que je disais. Dans le Coran, ça se fait pas, c'est quelque chose, ça se fait pas dans la religion islamique. Non, un bon musulman qui pratique bien la religion ne peut même pas dire Wallahi dans le mensonge. Il ne pourra même pas dire Wallahi dans le mensonge, il peut pas dire ça. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand toi, tu connais le lion. Toi, tu connais le lion, n'est-ce pas? Toi, tu connais le lion. Nous, les grands, par exemple, nous, on connaît le lion, on sait de quoi le lion il est capable. On le sait, n'est-ce pas? Donc, du coup, si on nous amène le lion là, on va trembler, oui ou non? On va avoir peur, on va trembler, n'est-ce pas? Parce qu'on sait de quoi ce lion il est capable. On sait ce que le lion peut nous faire. Mais tu prends un petit enfant, tu le déposes à côté du lion, il va aller, il va caresser la tête du lion. Il va embrasser le lion parce qu'il ne sait pas de quoi ce lion est capable. Il ne sait pas ce que le lion peut lui faire. Donc, du coup, lui, il ira auprès du lion, il va caresser sa tête, il va prendre sa queue, il va tourner, 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 tourner ça, quoi. Mourgouiller ça, quoi. Donc, il fera ça parce qu'il ne connaît pas le truc là. Il ne connaît pas, il sait pas ce qui est devant lui. Donc, pour vous dire, c'est comme ça l'islam. Quand quelqu'un sait, connaît la valeur de son Coran, connaît le degré, le j'en connais vraiment le Coran, un musulman pratiquant ne dira jamais, ne jurera jamais sur le Coran en mentant. Jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, du coup, c'est un peu ce que je veux vous dire. D'accord? C'est ça que je veux vous dire. Donc, je parle de ça. Moi, je ne parle pas ouais, même tu montes. Non, je ne parle pas de ces musulmans. D'accord? Je ne parle pas de ces musulmans. Merci pour la compréhension quand même. Donc, c'est un peu ça. La vie là. Il faut comprendre les choses. Je te rectifie sur la.
Ah oui, Radio Mirador, film FM, c'est ça, je parlais de ça, je parlais de ça. C'est ça, donc du coup, je parlais de ça. Vraiment, moi par exemple, moi, je suis musulmane, je pratique ma religion quand même. J'ai la foi. Et moi, je sais que Dieu existe. Et moi, tout ce qui m'arrive dans le monde, tout ce qui m'arrive dans ce monde-là, je me dis, c'est Dieu. Donc, que ça soit bien ou mal, je me dis toujours que c'est Dieu. Donc, du coup, alas, c'est un peu ça. Je vous aime beaucoup. Je suis très contente et d'avoir échangé avec vous. Je vous adore vraiment. Et c'est ça. Les Guinéens sont très fiers de toi, que la vérité tient dans ce procès. Non, ton mari sauf. Inch'Allah. Voilà, c'est mon souhait. Et je continue de prier pour lui. Inch'Allah, il va s'en sortir. Parce que mon cœur me dit que Monsieur Toumba est sincère et il dit la vérité. Quand même, Monsieur Toumba, moi, mon cœur me dit que. Tout ce qu'il dit, mon cœur me dit qu'il est sincère, quoi. C'est ce que mon cœur me dit. Et c'est ça, il est sincère. C'est Dieu qui pardonne. Hein. Tout le monde fait des péchés. Tout le monde pêche. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est saint. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a jamais péché. Il n'y a jamais quelqu'un qui dira que dans ce monde, que lui, il n'a pas péché. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Tout le monde. Tout le monde. Mais quand tu viens auprès d'Allah, tu lui demandes pardon, qu'il te pardonne sincèrement avec un cœur ouvert, Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Sauf si tu lui demandes pardon en étant dans les doutes. Ça, quand même. Ton doigt, là, ça va tomber. Ça tombe comme ça, genre. Ça fait comme ça. Mais quand tu le dis avec la foi, tu le dis en sachant que Dieu est là, en sachant que Dieu va te pardonner, en sachant que Dieu existe et que si tu et que le pardon là, hein, tu ne feras plus jamais encore d'autres erreurs, Dieu va te pardonner. Tu es trop bon, tu es trop bien. Dieu, il s'appelle la patience. Dieu, lui, patient. C'est ça, non? C'est ça, mon cœur. C'est ça. D'accord, donc c'est ça. Votre nom complet. Moi, c'est Tichu Niger. Ça, c'est mon nom, Tichu Inija, mon nom d'artiste. Mon nom même, c'est. Je peux Oui, vas-y. Mon nom même, c'est Fatimata. Fatimata Ibrahim. Point, point, c'est bon, c'est limite Oui. là-bas. Fatimata, c'est l'homonyme à ma mère. Oui, Ibrahim. Je suis nigérienne. Ma mère, elle est malienne. Ma mère, elle est malienne. C'est ça. Ma mère est décédée maintenant. Ça fait 3 ans. 3 ans. Oui. Trois Maintenant, ans. ça fait 3 ans, ma mère est décédée. Je suis. Bon, c'est bon. Après, c'est les larmes qui vont couler. Et c'est ce qu'on ne veut pas voir ici. Et la radio la plus écoutée en Guinée, c'est la radio Espace FM. C'était ça, non? C'est ça. Donc, Donc, du coup, c'est un peu comme c'est un ça. peu comme ça. Donc, du coup, je l'aime beaucoup, je l'aimais beaucoup. Mais alhamdoulilah, hein, aujourd'hui, Est très fière de toi. ma mère n'est pas, n'est plus là, mais j'ai des mamans. La maman de Dija, Fatoumata Kone, c'est la meilleure. Elle Ouais. me conseille, elle m'appelle, elle me met sur le chemin, mashallah. Et il y a la Voilà. maman aussi, à Sirakoro, là où j'étais. Elle aussi, mashallah. Genre, hein, j'ai pas ma mère, mais j'ai des mamans qui sont là pour moi. Oui, c'est ce qui est... En fait, c'est ce qui est Genre, ma bien. mère, elle a été bien. Ma mère m'a dit, avant de mourir, ma mère m'a dit, Mamie Chou, je vais partir, mais, Inch'Allah, tu me sentiras toujours près de toi parce que j'ai été bien avec les enfants d'autrui. Tu ne seras jamais seule. Elle a dit, tu ne seras jamais seule. Ma mère était bien. Ma mère aimait tout le monde. Genre, ma mère,
Ma mère se battait pour nous. Ma mère se battait tellement pour nous. Maman était prête. Maman, quand elle voyait les enfants dans la rue, parce qu'on n'a pas grandi avec la maman. On n'a pas grandi avec la maman. Donc, on a grandi avec elle. Moi, je n'ai pas grandi personnellement parce que après, ma mère et puis mon père se sont séparés. Donc, du coup, ça fait en sorte qu'il y a la distance qui est venue avec le papa, la maman. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, on n'a pas vécu vraiment trop ensemble. On vient en vacances chez papa. Après, on repart chez la maman. Genre, elle est partie jeune, quoi. Maman, elle est partie jeune. Elle est partie jeune. Très jeune. Maman est décédée à... Maman avait 37 ans. La maman est décédée à 37 ans. Et c'était la femme qui me donnait... qui me donnait tout au monde. Avec elle, je ne manquais de rien du tout. Avec elle, j'étais à l'aise. Avec elle, je me disais que hein, le monde là hein, n'allait jamais finir. C'est ce que je me disais. Et elle m'a vraiment éduquée. Elle m'a éduquée. Aujourd'hui, hein, même si je veux faire quelque chose qui n'est pas bien, quand je pense à elle, je dis Mamichou. Parce qu'elle elle m'appelle Mamichou. Elle m'appelle Mamichou. Mamichou! Donc, j'ai dit, Mamichou, tu sais, tu sais qui t'a éduqué. Tu n'es pas comme ça. Calme-toi. Et ma mère, avant de mourir, tellement que c'est une femme bien. Wallahi, ma mère est décédée avec Kalma Shahad dans sa bouche. Le dernier hein, mot de ma maman, elle a dit, Ashhad Allah, ilaha illallah, wa ashhad anna Muhammadan abduhu wa rasoul. Wallahi, c'est son dernier mot. Le dernier mot de ma mère avant de quitter le monde, c'est ça. Tellement qu'elle a été une femme brave, tellement qu'elle a été une femme sincère, tellement qu'elle a été une femme qui avait la foi. J'ai ma maman avant de mourir, elle disait, Mamichou. Condoléances, merci. Je les réponds aux condoléances. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ça. On s'est fait comme ça. Quand je parle de maman, tellement qu'elle. T'es pas Désolée. sérieuse. Non. C'est ça que je te parlais, Larry, de parler de ça. En tout cas, elle est très fière de toi, c'est l'essentiel, hein. Il n'y a pas plus mère que ça. Elle me manque. Elle me manque. Mais moi, je suis là pour toi. Moi, je serai là pour toi. Est-ce que vous savez comment nous on s'est reconnus? On s'est connus plus tôt. Arrête de pleurer, t'es pas Mais je sérieuse. pleure Arrête. pas. Arrête. Arrête, tes yeux sont devenus rouges. Arrête. Ne pleure pas, tu es avec Dieu. C'est ça, je pleure pas ça, je pleure pas. Sincère condoléance. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup la famille. Je vous aime de tout mon cœur. Et vraiment, merci beaucoup de me suivre. Et sachez que voilà, je vous aime de tout mon cœur. Et que la chanson, je n'ai pas fait ça pour que du ouais, pour avoir du buzz, des trucs comme ça. Non, rien dans la tête pour ça. Et de toute façon, moi, je savais que quel qu'en soit le temps, si c'est affaire du buzz ou bien affaire de temps, mon temps arrivera parce que je suis dans la musique. Je chante, je suis artiste, chanteuse nigérienne. Donc, je chante, je fais la comédie. Je savais que mon temps, Inch'Allah, tant que j'ai une longue vie, mon temps va arriver. Donc, du coup, enlevez dans votre tête que, ouais, c'est juste, j'ai profité de l'occasion. Bah, non, rien du tout. Je ne suis pas la seule qui a chanté. Je ne suis pas la seule qui a chanté. Beaucoup de personnes ont chanté. Et si beaucoup de gens parlent de moi, c'est parce que c'est Dieu qui est dedans et c'est Dieu qui a voulu. Arrêtez de penser des choses négatives. Arrêtez, on n'a qu'à céder. La vie, là, ce n'est Le rien. gars, c'est des On n'a qu'à vivants. céder vivant. On n'a qu'à s'entraider vivant. Michou, faut pas D'accord. pleurer. Non, je ne pleure pas. Donc, on n'a qu'à s'entraider vivant. Ce n'est pas après la mort on va s'entraider. D'accord? Et moi, je vous aime. Tout celui qui m'aime aujourd'hui, je l'aime. Tout celui qui m'aime aujourd'hui, quand même, moi, je l'aime. Donc, du coup, arrêtez de penser négativement. Arrêtez, s'il vous plaît. La vie, là, hein, c'est moulo-moulo. Tout le monde se cherche. On se cherche pour avoir, pour manger, hein, pour s'habiller, hein, pour sortir. Donc, du coup, arrêtez de penser négativement. On se cherche aujourd'hui, là, tout le monde se cherche. Donc, comment tu peux te chercher pour t'avoir là? Faut faire.
Hein? La manière dont tu peux faire, faut travailler, faut te chercher de cette manière. Hein? Faut tout faire, sauf du mal. Sauf du mal, sauf ce que tu sais que vraiment dans ta conscience que c'est du mal. Sauf Faut pas ça, faire. faut pas le faire. Mais si tu sais que tu t'es battu, tu te bats, tu tombes, tu fais, il faut le faire pour réussir parce que le monde là, nous tous, on veut réussir. Personne ne veut échouer dans la vie. Beaucoup de gens pensent que, beaucoup de gens, il y a tout le monde a des personnes, tout le monde a des ennemis. Genre, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, que ce soit, tout le monde a ça. Tout le monde dira, et elle va jamais réussir. Hein, elle va. Tout le monde a ces personnes-là qui ne croient pas en eux. Donc, c'est à cause de ça, tout le monde veut réussir pour montrer à ces personnes-là que vraiment, hein, ce que vous croyez de nous, là, C'est pas ça. c'est pas ça. Pour qu'ils regrettent, tout le monde. Donc, du coup, arrêtez. Si aujourd'hui, moi, j'ai Alhamdoulilah, je le remercie, je le remercie, mon Dieu. De toute façon, si j'ai travaillé aussi, hein, ou bien, c'est mon travail. Je travaille, j'ai transpiré. J'ai marché dans le soleil, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, s'il vous plaît, restons positifs, hein? On reste positif. Donc, du coup, merci beaucoup d'abord. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je serai bientôt en Guinée. Hein? Bientôt, bientôt la Guinée, vous allez me voir, hein? Donc, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Inch'Allah, préparez-vous. D'accord? Je vous aime de tout mon cœur. Et je crois que. Bisous, Je vais vous quitter. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous adore. Je vous adore. La Guinée. Oh, moi, je dis une chanson pour la Guinée. on va chanter même. On vient. On rappe pour eux. La Guinée. La Guinée. Allez, viens, viens, viens. On chante un peu avant de partir. Vas-y, vas-y. La Guinée. La Guinée. La Guinée. La Guinée. Allez, rappe. Allez, non, je ne sais pas rapper. Allez, non, je t'attends. Vas-y. Non, vas-y. 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 Chante, chante. Chante, chante. Je n'ai pas une belle voix. Genre, c'est elle qui a la belle voix. Non, non, elle est forte aussi. Bébé, c'est voilà, je ne sais pas chanter. One. Il n'y a rien dans ma tête là. La On va partir. Visiter la Guinée. On va partir. On va partir. Visiter la Guinée. Toujours la Guinée. Toujours la Guinée. Vas-y, allez, allez, tissu, tissu, ça sort, yes, ça sort, yes, ça vient, je vais partir visiter la Guinée très bientôt. Hey, hey, je suis contente hey, de hey, arriver, ah, tu sais quoi, quoi, la Guinée, mais déjà, hey, vraiment, je te jure, c'est vrai ça, ils sont pressés. Ils sont pressés. On est tous pressés. Ils sont pressés. On va aller. Ils sont pressés. Ah, on est pressés. La Guinée. On est pressés. La Guinée. On est